Podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderisker d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, La Rose de Plâtre. Amberley, bonsoir. Ah, bonsoir, Brick. Ah, mais qu'est-ce que tu fais dans la rue à cette heure-ci? Je reviens du théâtre. Et toi? J'ai dîné chez les Hupford. Bah, tu sais bien, je t'avais dit l'autre jour qu'il m'avait invité pour ce soir. On y mange toujours aussi mal. Et ta femme? Bah, ça ne va pas fort. Elle avait une telle migraine qu'elle m'a laissé sortir tout seul. Ah. Tu as passé une bonne soirée? Oh non, j'ai horreur d'aller au théâtre sans elle. Mais on pouvait tout de même pas laisser perdre de billets. Mais tu aurais pu emmener quelqu'un. Oui, mais c'est juste au moment de partir que ma femme m'a dit « j'ai trop mal, j'y vais pas ». Alors, qu'est-ce qu'on jouait? L'école de la médisance, de tout premier ordre. Oh, et une marquette, ils ont des comédiens remarquables. Ah hein. Oui, excellent. Ah ben, nous voilà chez toi, alors je te dis bonsoir. Je t'offre un petit verre de gin. Non, il est trop tard. Ah, ça serait bien la première fois que tu refuserais un verre. Bon, mais alors, vite, hein, sur le pouce. Oui, d'accord. Entre. Pardon. Entre dans le salon. Assieds-toi. Merci. C'est du Duke of York. Ah, tu m'en diras des nouvelles. Ah. Tiens, où assis, assis, assis. Oui, pas plus haut que le bord, hein. Tu es bête. Je vais te demander une seconde, le temps de voir comment va ma femme. Je t'en prie. Dis donc, si elle ne dort pas, tu lui fais mes amitiés. Entendu. Maud, mais où est-elle passée? Maud! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma femme n'est plus dans son lit et je ne la trouve nulle part. Ah, oh, c'est curieux. Dans le jardin? Qu'est-ce qu'elle ferait dans le jardin à cette heure-ci? Maud! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? As-tu remarqué si ses vêtements étaient encore dans sa chambre? Non, je vais voir. T'as peut-être laissé un mot. Mais il n'y a plus de vêtements et je ne vois pas de lettres. J'ai les jambes coupées. Mais où peut-elle être? Pourquoi serait-elle sortie? On est peut-être venu la chercher. Enfin, il y a quelqu'un de malade. Mais à part toi et le docteur Reynolds, nous ne connaissons personne. Se serait-elle sentie plus souffrante? Aurait-elle été chez le docteur? Mais non, elle m'aurait laissé un mot. Ah, donne-moi la lampe, je te suis. Bah, dans la salle à manger, rien. Oh.
Dans le bureau, rien. Et cette pièce? Mais non, elle ne peut pas être là, il n'y a pas un meuble, il y a juste un coffre-fort. Enfin, regardons tout de même. Oh, Brick, regarde! Quoi? Mon coffre-fort, la porte est ouverte. Brick, il n'y a plus rien dedans, il est vide. Vide? Oui, on m'a cambriolé. Il y avait là tout mon argent et mes valeurs. Tu n'as pas de compte en banque? Non. Et alors? Alors est-ce que... Quoi? Ta femme ne serait-elle pas partie en emportant ton argent? Qu'est-ce que tu dis? Regarde, la fenêtre est grande ouverte. Elle s'est peut-être enfuie par là. D'abord, rien ne l'empêchait de sortir de la maison par la porte. Et puis, au nom de quoi oses-tu la soupçonner? Je ne sais pas, moi, étant donné que l'argent a disparu et elle aussi. Ma femme est l'honnêteté même, et c'est interdit de l'insulter. Va-t'en, sors d'ici, que je ne t'en vois plus. Bob, mon vieux Bob. Oh non, je croyais que tu avais de l'amitié pour nous. Écoute, à tout cela, il y a certainement une explication rassurante. D'abord, ta femme avait-elle les clés du coffre? Non. Elle n'aurait donc pas pu l'ouvrir. Oui, enfin, remarque, les clés étaient dans mon bureau. Elle pouvait les prendre? Oui. Mais elle ne connaissait pas le chiffre. Si, un jour que j'étais malade, j'étais obligé de le lui révéler. Dans ce cas, il faut regarder les choses en face. C'est peut-être bel et bien elle qui a ouvert le coffre. Tu crois? Tu crois qu'elle m'aurait volé, mis volontairement sur la paille? Mais pourquoi? Dans quel but? Tu sais, pour comprendre quelque chose aux femmes. Mais dis-moi, en plus des vêtements qu'elle portait hier soir, a-t-elle emporté le reste de sa garde-robe? Je ne sais pas. Eh bien, allons voir. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Et voilà comment a débuté cette étrange affaire qui remonte à fin mai 1899. Les choses nous furent rapportées telles quelles à Sherlock Holmes et à moi par M. Amberley lui-même et son ami Brick, qui vinrent nous voir dès le lendemain de la disparition. Quel âge a Mme Amberley? 35 ans. Et vous, monsieur? 64 ans. 29 ans de différence. Mais oui, monsieur Holmes, et tout le mal vient de là. Oh, tais-toi, je t'en prie. Mais pas du tout. C'est moi qui t'ai convaincu de confier l'affaire à monsieur Holmes, tu étais d'accord? Bon. Alors maintenant que nous sommes ici, il faut dire la vérité, aussi pénible soit-elle. Mon ami Bob Amberley est la naïveté même, monsieur Holmes. Et j'ai dû lui ouvrir les yeux. Et que voulez-vous, quand on a une femme jeune et ravissante et qu'on est vieux et laid... Ah, dis donc. Mais parfaitement vieux et laid. Et tu sais très bien que si tu n'avais pas eu une grosse fortune, Maud ne t'aurait jamais épousé. Ah, je ne sais plus. Alors, monsieur Holmes, il est arrivé ce qui arrive toujours en pareil cas. Bob est un excellent joueur d'échecs. Et dans notre pays où il s'est retiré, il n'a trouvé qu'un seul adversaire digne de lui, le docteur Reynolds. Ce garçon venait souvent. Et il fallait être aveugle comme un mari pour ne pas avoir vu que l'intimité devenait de plus en plus grande entre l'invité et la maîtresse de maison. Ah, tais-toi! Mais ça crevait les yeux! Le docteur était célibataire, monsieur Holmes. Une sorte de bellâtre qui tournait la tête à toutes les femmes. J'habite le pays, je pourrais en dire long là-dessus. Et que Maud Amberley soit tombée amoureuse de lui ne fait aucun doute. D'autre part, à cause de son physique avantageux et de sa réputation douteuse, les maris et les pères de famille lui préféraient le vieux docteur Harrison. Et il ne réussissait donc pas tellement bien. Il avait des besoins d'argent. Je ne sais pas, mais des goûts de luxe, ça certainement. Or, je viens d'apprendre qu'il a, lui aussi, disparu de son domicile cette nuit, en même temps que Maud Amberley. Et il ne vous semblerait pas impensable qu'ils se soient enfuis ensemble avec l'argent du mari? Mais j'en suis certain, monsieur... Excusez-moi, monsieur Amberley, de parler avec autant de brutalité, mais... Vous êtes venu à moi comme on vient voir un médecin. Parfois, il ne faut pas avoir peur de prononcer le nom d'une maladie pour s'assurer qu'on est prêt à l'affronter et à la combattre. Alors, monsieur Holmes, je m'offre en jeu. Ma femme ne m'aime plus, personne n'y peut rien, soit. Mais je suis ruiné. On m'a volé. Il faut donc trouver les voleurs au plus vite et leur faire rendre gorge. Je veux récupérer mon argent. C'est un désir bien légitime. Combien aviez-vous dans ce coffre? Je vais vous le dire. C'est inscrit dans mon carnet. Voyons. Ah, ben voilà. Il y avait exactement 7 283 livres et 9 shillings en espèces et en titres. Une jolie somme. Ah, c'était tout mon avoir, monsieur Holmes. J'avais une affaire de produits chimiques, je me suis retiré il y a 5 ans après avoir beaucoup travaillé et je méritais de finir mes jours dans le calme et le bonheur. Je comprends. J'en étais sûr, monsieur Holmes. Et j'ai dit à Bob que vous étiez le seul capable de retrouver les fugitifs et de leur faire rendre l'argent. Je mets tout mon espoir en vous, monsieur.
Sherlock Holmes promit au pauvre homme de commencer son enquête dès l'après-midi et les deux visiteurs prirent congé. Quand ils furent partis, mon ami me demanda d'aller à sa place à Lewisham, le petit pays où s'était retiré Amberley, à une vingtaine de kilomètres de Londres. Vous savez, Watson, que je suis actuellement très occupé par l'affaire de deux patriarches coptes et il m'est impossible de m'absenter ces jours-ci. Vous connaissez mes méthodes. Tâchez d'apprendre là-bas quelque chose d'utile. Bon, je ne demande pas mieux que de vous aider, mais livré à moi-même, je ne vaux pas grand-chose. Allons donc ! Auriez-vous oublié quelle aide précieuse vous m'avez apportée en des circonstances semblables, et particulièrement dans l'affaire du chien de Baskerville ? Je ne dis pas, mais... Allons, rendez-moi ce service et voyez sur place si un indice quelconque pourrait nous mettre sur la trace des fugitifs. Vous avez un train à 2h15. On ne résiste pas à Sherlock Holmes. Et puis, à force de l'assister dans ses enquêtes, j'avais attrapé le virus. Et je l'avoue, je n'étais pas fâché de jouer une fois de plus au détective. Le train me déposa à 3h dans le charmant petit pays de Lewisham. Et 10 minutes plus tard, je sonnais à la grille de M. Amberley. Mais non sans avoir remarqué qu'un individu grand, brun et moustachu semblait observer la maison avant mon arrivée. Dès qu'il me vit approcher, il s'éloigna, d'un air faussement naturel. Ce fut M. Amberley qui vint m'ouvrir. Tiens, docteur Watson. Mais Monsieur Holmes n'est pas avec vous ? Non, cher monsieur. Il vous prie de l'excuser car il a une affaire urgente à terminer. Mais je travaille depuis longtemps avec lui et je crois pouvoir le remplacer utilement. Étant entendu que d'ici 2 ou 3 jours au plus, il vous consacrera tout son temps. Je l'en remercie à l'avance. Et soyez le bienvenu, docteur. Excusez maintenant, mais j'étais en train de repeindre mon couloir. Dans l'état moral où je suis, un peu d'exercice physique me détend les nerfs. Auriez-vous une idée de l'endroit où pourrait se cacher votre femme ? Vous pensez bien que si elle est partie avec ce bandit de Reynolds, elle n'est pas allée chez sa mère ou chez des gens que nous connaissons. Qui sait même s'ils n'ont pas fui sur le continent. Oui. Puis-je voir la pièce où se trouve votre coffre-fort ? Volontiers, oui. Par ici. Mais, attention, la peinture est fraîche. Voilà. Si vous voulez entrer, j'ai laissé le coffre-fort exactement dans l'état où je l'ai trouvé. Oui. La serrure n'a pas été forcée, à ce que je vois. Ah, parbleu. Ma femme n'a eu que la peine de prendre mes clés que je laissais toujours dans mon bureau. Et où se trouve votre bureau ? À côté. Ah, si vous voulez, vous pouvez entrer. Merci. Dans quel tiroir mettez-vous vos clés ? Dans celui du milieu. Voilà, ici, très exactement. Qu'est-ce que c'est que ce billet de théâtre, hein ? C'est celui que j'avais pris au Hyde Market pour ma femme et qu'elle n'a pas utilisé puisqu'elle m'a laissé y aller tout seul. Oh ! Quand je pense que je ne savais quoi faire pour la rendre heureuse, docteur. Y avait-il une femme plus choyée ? Et ce Reynolds, je l'accueillais comme mon propre fils. Il venait à n'importe quelle heure. Et vous voyez comme ils m'ont traité. Ah non, ça, il y a des moments où je voudrais être mort. Je laissai l'infortuné mari exhaler sa rancœur et après avoir visité la maison, je pris congé. Ni lui ni moi n'avions l'impression que ma visite avait servi à grand-chose. Sur le chemin de la gare, je rencontrai Brick, l'ami de M. Amberley. Oh, docteur Watson, M. Holmes a commencé son enquête ? Non, pour le moment, je suis venu seul. Il m'a demandé de dégrossir le problème. Vous avez vu la maison d'Amberley ? Oui. Et ce jardin ? Oui. Oh, comment vouliez-vous qu'une femme jeune et gaie puisse vivre dans une telle ambiance ? Un jardin pas entretenu, une maison sale, triste... Voulez-vous mon sentiment ? Je vous en prie. Eh bien, ce qui arrive à mon pauvre ami, il l'a bien cherché. Il a un défaut terrible. Il est avare. Il reprochait toujours à sa femme de dépenser trop d'argent. Pourtant, elle était bien raisonnable. Elle aurait voulu tenir sa maison plus propre, plus gaie. Mais quand elle parlait de faire venir le moindre frotteur, le moindre laveur de carreaux, c'était une scène. Tenez, le jour où elle lui a dit qu'elle aimerait faire repeindre toute la maison, il lui a demandé si elle ne devenait pas folle. Tiens. Pourtant, aujourd'hui, je l'ai trouvé avec un pot de peinture. Oui, il est bien temps.
Hier, il avait commencé, il avait déjà repeint la porte et la fenêtre de la pièce où se trouvait le coffre-fort. Mais il était trop tard. Ce geste de bonne volonté n'a pas attendri cette pauvre petite Maud. Elle est partie quand même. Et je ne peux pas la blâmer complètement. Et vous croyez vraiment qu'elle est partie avec ce docteur Reynolds ? Ça, aucun doute là-dessus. Une seule chose m'étonne. C'est que ce garçon n'ait pas prévenu sa mère de son départ. La pauvre femme est affreusement inquiète. Il vivait avec elle ? Oui. Oui, il paraît d'ailleurs qu'elle aurait prévenu la police. Dès mon retour, je rapportais à Sherlock Holmes tout ce que j'avais vu et entendu. Il prenait des notes, le sourcil froncé. Dites-moi, Watson, ce billet de théâtre que vous aviez vu dans le tiroir du bureau de M. Amberley, en auriez-vous noté le numéro par hasard ? Oui, c'était le 31, au premier balcon. Ça m'a frappé parce qu'au collège, mon numéro était également le 31. Le fauteuil du mari devait donc être le 30, le 32 ou le 33 ? Apparemment, oui. J'ai encore quelque chose à vous dire. Quoi donc ? Voilà. Vers la fin de l'après-midi, je suis revenu à la gare et je venais de m'asseoir dans le train quand un homme a bondi au moment où l'on démarrait. Et il est allé s'installer dans le compartiment voisin du mien. C'était l'individu grand, brun et moustachu que j'avais surpris en train de guetter je ne sais quoi devant la maison d'Amberley. Arrivé à Londres, il m'a suivi et ce n'est qu'à London Bridge que j'ai réussi à le semer dans la foule. Il devait avoir des lunettes noires et une énorme perle en guise d'épingle de cravate, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Mais comment le savez-vous ? Enfantin, mon cher Watson. Mais... Non, n'insistez pas, je vous dirai tout quand le fruit sera mûr. En attendant, Carina chante ce soir Lucie de la Mère Moore à l'Albert Hall. Nous avons juste le temps de nous habiller et de dîner si nous ne voulons pas manquer l'ouverture. Nous passâmes une excellente soirée. Le lendemain matin, je me levais de bonne heure. Sherlock Holmes était déjà sorti. Il m'avait laissé ce mot. Arrangez-vous pour être libre vers 3 heures, cet après-midi et jusqu'à demain. Il se pourrait que j'aie besoin de vous. Il rentra à 3 heures. Bonjour, Watson. Vous avez trouvé mon petit papier ce matin ? Oui, je me suis rendu libre. Que puis-je faire pour vous ? Amberley n'est pas encore là ? Vous l'attendez ? Tenez, le voilà, ne bougez pas, je vais ouvrir. Bonjour, monsieur Holmes. Tiens, monsieur Amberley, mais qu'est-ce qui vous amène ? J'ai reçu un télégramme, je n'y comprends rien. Alors, entrez dans le salon. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Amberley. Que pensez-vous, messieurs, de ce télégramme ? On me l'a apporté en fin de matinée. Voyons. Venez de toute urgence. Je peux vous donner renseignements sur disparition Maud. Signé Violette Turner, École des filles. Et cela vient de Little Purlington. Si je ne me trompe, Little Purlington se trouve dans l'Essex, pas très loin de Frinton. Oui, mais je ne connais pas cette Violette Turner. C'est peut-être une amie de votre femme qui ne vous en a jamais parlé. Vous croyez ? Je ne crois rien, c'est une simple supposition. En tout cas, si cette personne habite l'école des filles, elle doit être digne de confiance. Attendez. J'ai ici l'annuaire de l'enseignement. Ah, ben voilà. Voyons, nous disons Little Purlington. Ah, voici, Little Purlington. Directrice, mademoiselle Violette Turner. Dans ces conditions, monsieur Amberley, il n'y a pas à hésiter. Vous allez sauter dans le premier train et aller demander à cette demoiselle ce qu'elle sait sur la fugue de votre femme. Oui, vous avez raison, monsieur Holmes. À quelle heure y a-t-il un express ? Attendez que je consulte l'indicateur. Voilà. Le prochain départ est à 4h20, gare de Liverpool Street. Je l'aurai facilement. Mais je me demande ce que peut bien avoir à m'apprendre cette demoiselle Turner. Je vais demander au docteur Watson de vous accompagner. Dans des voyages de ce genre, on n'est pas trop de deux. Mais je peux très bien aller tout seul, monsieur Holmes. Le docteur Watson a certainement mieux à faire. Et imaginez que vous tombiez dans un guet-apens. Un guet-apens ? Sait-on jamais. Je préfère que Watson aille avec vous. Amberley n'insista pas et nous partîmes tous les deux pour Little Purlington, qui n'était pas d'un accès très facile. Il nous fallut changer 2 fois. Il était 6h30. Quand nous arrivâmes à l'école des filles de Little Purlington, une concierge nous emmena dans des couloirs.
Si vous voulez attendre là, je vais prévenir mademoiselle. Elle termine la leçon de musique. Merci, madame. Bonsoir, messieurs. Vous désirez ? Bonsoir, Miss Turner. Voici le docteur Watson, un ami. Docteur ? Mais vous-même, qui êtes-vous, monsieur ? Bob Amberley. Excusez-moi, mais votre nom ne me dit rien. Comment il ne vous dit rien ? Mais j'ai reçu votre télégramme. Quel télégramme ? Celui que vous m'avez envoyé. Mais monsieur, je ne vous ai pas envoyé de télégramme. Vous devez faire erreur. Enfin, voyons, voyons. Cette dépêche-là, c'est pas vous qui me l'avez adressée ? Je vous jure que non. Y a-t-il une autre Violette Turner dans ce pays ? Non, je suis la seule. Ah. École des filles. Il n'y a qu'une seule école de filles. Et voyez le cachet de la poste. Ce télégramme est bien parti de Little Burlington. Et c'est bien vous, mademoiselle, qui me l'avez envoyé. Mais enfin, monsieur, je vous jure que non. Ah, il est trop tard pour mentir et vous allez parler. Allons. Mademoiselle... Allons, Amberley du cas. Mais vous savez où est ma femme. Sur le moment, vous avez eu un bon mouvement, vous m'avez télégraphié pour me dire toute la vérité, et depuis, vous avez réfléchi. Ou quelqu'un vous a menacé. Et maintenant, vous ne voulez plus rien dire. Ah, mais ça ne se passera pas comme ça. On ne se joue pas ainsi impunément d'un pauvre homme qui souffre. C'est indigne ce que vous faites là, mademoiselle. C'est indigne. Mais docteur, vous qui me semblez plus calme et plus raisonnable, faites-lui comprendre que je ne sais rien de toute cette histoire. Si nous sommes les victimes d'une plaisanterie, nous demanderons une enquête. D'ailleurs, dès demain, je vais porter plainte à la police. Avant d'agir en quoi que ce soit, nous ferions mieux d'aller à la poste pour tâcher de savoir qui a envoyé ce télégramme. Oui, vous avez raison. Mais à cette heure-ci, la poste est fermée. Eh ben, mais nous la ferons ouvrir. Non, nous passons par derrière. Miss Rednose est certainement encore là. C'est la directrice ? Oh, monsieur, dans notre petit pays, la poste est tenue par une seule et unique personne. Venez, il n'y a qu'à traverser la rue. Miss Rednose. Miss Rednose. C'est fermé. C'est moi, Miss Turner. M'est égal. C'est fermé. Ouvrez, police. Quoi? Police. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, Miss Rednose. Vous avez expédié ce matin un télégramme à monsieur... Monsieur... Amberley, à Lewisham. Oui, parfaitement. Je me souviens très bien. Et alors? Mais qui vous a apporté le texte? Une de vos gamines. Laquelle? Oh, ça, je ne me rappelle pas. Le texte était bien signé Violette Turner. Naturellement. Je me suis pas trompé de nom, je pense. À vérifier. C'était écrit sur une grande feuille de papier. Attendez, je vais la retrouver. Tenez. La voilà. Mais c'est pas mon écriture. C'est pas votre écriture. Mais non. Quelqu'un s'est servi de mon nom pour une mauvaise plaisanterie. Oui. Ouais, il y a tout de même quelque chose de troublant. Quelqu'un dans ce pays sait que la femme de M. Amberley a disparu. Or, aucune publicité n'a été faite sur cette disparition. Aucun journal n'en a parlé. Et la personne qui a expédié ce télégramme connaît parfaitement mon adresse. Mademoiselle Rednose, faites un petit effort, hein? Ne pourriez-vous pas vous rappeler... Quelle petite fille vous a apporté le texte de ce télégramme? Non, sa tête arrivait à peine à la hauteur de mon guichet. J'ai vu ses cheveux, un peu de son front, c'est tout. Bien, je vous remercie. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à rentrer à Londres. Oh, maintenant, vous n'avez plus de train avant demain matin. Ah ben, c'est complet alors. Il va falloir passer la nuit dans ce trou. Comment ce trou? Vous saurez, monsieur, qu'on a découvert ici des morceaux de baignoire romaine et vous trouverez chez le facteur une vitrine qui contient des bagues et un pot à eau du 3e siècle. Un trou. Nous dûmes coucher dans une auberge détestable et quand le lendemain matin nous reprîmes le train pour Londres, il était difficile de dire lequel de nous deux était de plus mauvaise humeur. Nous nous rendîmes à Baker Street, mais nous y trouvâmes un mot de Sherlock Holmes. Je suis allé à Lewisham, dans la maison de monsieur Amberley. Venez m'y retrouver d'urgence. Nous prenons le train et nous arrivons chez Amberley. Dans le salon, Sherlock Holmes était en compagnie de Brick.
et de l'homme grand, brun et moustachu qui avait des lunettes de soleil et une grosse perle à sa cravate. Celui qui m'avait suivi jusqu'à Londres. Allons, Watson, ne prenez pas cet air ahuri. Je vous présente mon ami Barker, de la police officielle. Ici, c'est son district, et comme vous m'aviez dit que la mère du docteur Reynolds avait prévenu les autorités, j'avais tout lieu de penser que ce serait Barker, l'as de la région, qui serait mis sur l'affaire. Le signalement que vous m'aviez donné correspondait exactement à son physique. Je l'ai aperçu tout à l'heure, devant la maison. Je lui ai fait signe d'entrer, ainsi qu'à M. Brick, qui venait de nouvelles. Mais, enfin, M. Holmes, comment êtes-vous entré chez moi? Vous n'aviez pas les clés? Aucune importance. J'avais les miennes. Permettez-moi de vous dire que je n'apprécie guère ce procédé. Vous auriez pu attendre mon retour. On n'entre pas ainsi chez les gens. En tout cas, vous savez que je suis furieux. Ah, et de quoi? Quand nous sommes arrivés là-bas, cette mademoiselle Turner nous a dit qu'elle n'avait jamais envoyé de télégramme. Je le sais bien. Comment vous le savez? Naturellement. Puisque c'est moi qui ai demandé à mon ami Duncan de vous l'envoyer. Holmes, vous vous êtes moqué de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que je voulais expédier M. Amberley loin de chez lui pendant un petit moment. Je me suis souvenu d'un certain Duncan qui tient un cabaret à Little Purlington. Il a pas mal de choses à se reprocher, n'ignore pas que je le sais, et son intérêt est de me rendre de temps à autre de menus services. Et il l'a fait porter par une petite fille. Je reconnais bien là sa prudence. Mais enfin, pourquoi avez-vous fait ça, M. Holmes? Pour pouvoir travailler ici en toute tranquillité. Ouais, vous avez une curieuse manière de traiter vos clients. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tenez, peut-être allez-vous aussi être étonné de la question que je vais vous poser. Quelle question? Vous nous avez dit avoir été au théâtre l'autre soir. Pourquoi avez-vous menti? Mais où êtes-vous allé chercher ça? Sur place, au Haymarket. Ce soir-là, les deux fauteuils que vous aviez loués sont restés inoccupés. Vous savez que les ouvreuses ont un petit plan sur une planchette, et au fur et à mesure qu'elles placent les gens, elles raient les numéros au crayon bleu. Or, le 31 et le 33 que vous aviez loués sont restés inoccupés. C'est faux! La preuve, c'est qu'en rentrant du théâtre, j'ai rencontré Brick. Non! Vous l'avez guetté. Vous saviez qu'il dînait chez des amis, et vous l'avez invité à entrer chez vous pour qu'il soit le témoin de votre pseudo-stupéfaction en découvrant l'absence de votre femme. Sa pseudo-stupéfaction? Comment? Il savait que sa femme n'était pas là? Naturellement. N'est-ce pas, Amberley? Ce que j'entends depuis 5 minutes est tellement insensé que je me refuse à répondre. Mauvais système de défense! J'affirme, moi, que vous n'êtes pas allé au théâtre et que cette soirée, vous l'avez passée avec votre femme et le docteur Reynolds. J'ai interrogé la mère du docteur. Son fils a quitté la maison à 8h30, après le dîner, disant qu'il allait jouer aux échecs avec vous. Ce sont ses propres paroles. Et je n'invente rien. Il arrive ici. Et depuis, lui et votre femme demeurent introuvables. Que sont-ils devenus? C'est moi qui vous le demande. Alors moi, je vous réponds. Vous les avez assassinés. Mais vous êtes fou! Non! C'est vous qui l'êtes. Et de jalousie. Vous avez épousé une femme trop jeune pour vous, Monsieur Amberley. Vous l'avez rendue malheureuse. Et elle s'est jetée dans les bras d'un autre. Quand vous en avez eu la révélation, vous décidez de les tuer tous les deux et vous arrêtez un plan, car, bon joueur d'échecs, votre esprit est capable des tactiques les plus subtiles. Il y a dans votre maison une pièce vide dans laquelle vous avez placé votre coffre-fort. Sous prétexte de mieux encore défendre votre argent, vous remplacez la porte de bois par une porte de fer. Et vous garnissez la fenêtre de volets métalliques, deux fermetures absolument étanches à l'air. Puis, vous truquez une des roses de plâtre. Quelle rose de plâtre? Et j'imagine très bien ce qui s'est passé ce soir-là. Le docteur arrive après le dîner. Alors, Bob, on fait notre partie d'échecs? Tout est prêt dans le salon. Mais avant de commencer, je voudrais vous montrer quelque chose à vous et à Maud. Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Une surprise qui se trouve dans mon coffre-fort. Dans ton coffre? Oui, venez par ici. Eh bien, mon cher, avec un petit meuble de ce genre, vous ne craignez pas les cambrioleurs. C'est fait pour ça. Oh, j'ai oublié mes clés. Excusez-moi une seconde, je vais les chercher. Oui. Mais, ma parole, mais il nous enferme. Tu trouves ça drôle? Ouvrez-nous, voyons! Mais de quoi vous plaignez-vous? Vous êtes avec ma femme! Et soyez satisfait,
Plus jamais personne ne viendra vous déranger. Qu'est-ce qu'il dit? Plus personne ne troublera votre tête à tête. Mais il est parti. Enfin, il ne peut pas nous laisser comme ça, c'est stupide. Maude. Maude, j'ai peur de comprendre. Il sait tout. Et il veut se venger. Écoute. Quoi? Ce sifflement. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. D'où ça vient-il? Maude. Ça vient du plafond. Oh! Tu sens cette odeur? Mais c'est du gaz. Il veut remplir cette pièce de gaz pour nous asphyxier. Au secours! Au secours! Maude! Ouvrez-nous! Ouvrez-nous! Ferme-toi! Au secours! La fenêtre, vite! Ah, les volets sont en métal. Ils sont pleins. L'air ne passe pas. Au secours! Au secours! Et ils sont morts asphyxiés. Vous les avez assassinés lentement, épiant derrière la porte leur terreur, leurs supplications et leurs sanglots. N'est-ce pas, Amberley? C'est bien ainsi que les choses se sont passées, hein? Holmes, il veut avaler une pilule. Empêchez-le, empêchez-le. Crache ça. Bob, vas-tu cracher ça? Allons, non, serrez-lui la gorge. Voilà, ça y est, il a craché la pilule. Laissez-le maintenant. Alors, Amberley, on vous laisse empoisonner? Laissez-moi. Ce suicide manqué équivaut à un aveu, n'est-ce pas? Je demande un avocat. Policeman, emmenez-le. Oui. Allez, où? Comment? Oh. Alors là, vraiment, je n'en reviens pas. Enfin, Holmes, comment avez-vous pu soupçonner cet homme? Oh, le plus simplement du monde. Au retour de sa première visite, Watson me dit qu'il a trouvé la maison particulièrement sale et que, selon la déclaration de son ami Brick, Amberley a toujours refusé de la repeindre. Or, dès le lendemain de la disparition de sa femme, on le surprend un pot de peinture à la main, il est en train de repeindre le couloir, et d'après l'état de la couche qui est presque sèche, je constate qu'il a commencé par la fenêtre et la porte de la chambre au coffre-fort. Pourquoi ce besoin si brusque de peindre? Pourquoi, à un pareil moment, cet homme remplissait-il sa maison d'odeurs fortes? La réponse s'impose d'elle-même, pour masquer une autre odeur. Une odeur qui aurait éveillé des soupçons. Et puis, pourquoi une chambre si hermétiquement close? J'examine la pièce dans ses moindres détails, et je constate qu'au milieu du plafond, il y a un ornement fait de petites roses de plâtre. Je monte sur une échelle et je découvre que l'une des roses est trouée et que l'orifice est l'aboutissement d'un tuyau à gaz commandé du couloir. Je comprends alors que le couple a été asphyxié. Et s'il subsistait dans mon esprit le moindre doute, un détail vient renforcer ma conviction. Je découvre, écrit sur le mur, à 30 cm environ du sol, le mot « le », puis un peu plus loin, un « g ». Celui qui a tracé ces lettres, lui ou elle, était déjà étendu et agonisant. Il a perdu connaissance avant d'avoir achevé son ultime message. Vous pensez que le G était le début du mot gaz? Sans aucun doute. Il voulait que l'on sût de quelle manière ils étaient assassinés. Et ce qui m'étonne, c'est que de lui-même, le criminel soit venu vous demander d'enquêter, Monsieur Holmes. À la vérité, c'est moi qui lui ai conseillé de le faire. Et il n'a pas osé me dire non de peur d'être soupçonné. Et puis, il se croyait très fort. Mais l'argent qui était dans le coffre... Il l'a mis de côté, ne vous inquiétez pas. Et je saurai lui faire dire où il l'a caché. Maintenant, il n'y a plus qu'à retrouver les cadavres. Ils ne sont sûrement pas loin. Cette maison est plus ancienne que les canalisations d'eau. Il doit y avoir quelque part un puits hors d'usage. Cherchez de ce côté-là. Permettez-moi, Monsieur Holmes, de vous remercier de votre si précieuse collaboration. Je dirai à mes chefs... Non! Pas un mot sur moi, je vous en prie. Et deux jours plus tard, Sherlock Holmes me tendit un journal du Surrey qui relatait cette affaire. Lisez, Watson. La perspicacité remarquable avec laquelle l'inspecteur Barker déduisit que, grâce à l'odeur de peinture, une autre odeur, celle du gaz, avait pu passer inaperçue, la déduction hardie selon laquelle la chambre forte pouvait être la chambre de la mort,
la découverte enfin des cadavres dans un puits hors d'usage, habilement dissimulé sous une niche à chien. Voilà bien qui prouve la haute... voilà bien qui prouve la haute maîtrise de nos détectives professionnels. Eh ben, ils en ont un toupet. Oh. Marker est un brave type. Classez cette affaire dans vos archives, Watson. Et si un jour vous la racontez, les faits parleront d'eux-mêmes. Allez. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre La Rose de Plard, d'après la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jean Pantaloni, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abderisker. Avec, dans le rôle de Sherlock Holmes, Georges Descrières, sociétaire de la Comédie Française, Dr Watson, Pierre Détaille, et Amberley, Marcel André, Brick, Clément Béram, Barker, Bruno Ball, Dr Reynolds, Serge Sauvion, et Violette Turner, Liliane Bay, Miss Rednose, Florence Brière, Maud Amberley, Nelly Delmas, la concierge, Madeleine Bérubet.